Hey, c'est le prochain vlog. Dans la même position. De la même façon. Ouais. Pour ceux qui n'ont pas écouté le vlog d'avant, en ce moment, je vais sembler vraiment con. Mais de l'autre côté, si vous écoutez nos vlogs, vous savez que je suis con, donc c'est correct. Aujourd'hui, plein de tâches et plein de choses et plein de trucs à faire. Possiblement même acheter une belle petite tour de jeu pour Fudge. Je pense que Catherine est plus excitée que Fudge. Ben. Hashtag enfin excité? Oui. Hashtag bonheur? Oui. Hashtag herpès? Non. Ah. Tu sais là, tout le monde s'est c'est tellement excitant acheter des choses de bébé puis acheter des choses d'enfant. Non, moi c'est excitant acheter des choses de chat. Ton front a l'air bizarre dans cet angle-là. Ça se peut? Je suis pas maquillée encore? Non, j'aime ça, c'est de la merde. Ah, merci. Sinon, un truc, là. OK, tout le monde, je veux que vous fassiez ça à quelqu'un que vous aimez moyennement. Vous vous approchez de ça. Là, vous faites comme si vous êtes moi en ce moment. Vous allez vers elle, faites comme, attends, bouge pas, bouge pas. OK, non, t'es juste né de même. Ha! Catherine, je l'ai trouvé drôle. Oui, un peu. Moi, je la trouve pas drôle. Pourquoi t'es croche? Des enfants qui jouent aux Sims. Ouais, hey, soit dit en passant, là, je me rappelle plus si je l'ai dit, là, mais j'aime vraiment pas les Sims 4. Comme il y a pas de toddlers, c'est quoi en français? Des bambins. Il y a pas de bambins dans les Sims 4. Il y a pas de bambins? Des bambins. Pourtant, tu peux genre mettre des douches. Des toddlers. Même si t'as un mauvais bain, c'est quand même au bout de la ligne, tant qu'il y a de l'eau dedans puis du savon, ça reste un bain, tu sais. J'aime les Sims 3. Vive les Sims 3! Sims 3, jamais! Yeah, ça, c'est ma blonde. J'ai fait comme dans Hunger Games en passant, là. Si ouais, ouais, on l'a compris. Vous l'avez compris, right? Ouais, les abonnés ont dit qu'ils ont compris. Je viens de penser que mon super plan de faire un commentaire du jour ne fonctionne pas si on filme l'autre avant que l'autre vlog ait été mis en ligne. Donc, au cas où que vous aviez dit dans l'autre vlog que oui, on veut des commentaires du jour, la raison pourquoi il n'y en a pas un en ce moment, c'est que je ne peux pas savoir si réellement vous en vouliez un et je n'avais pas les commentaires de ce dit vlog pour le mettre dans celui-ci. Parce que j'ai pas fait le montage encore. Exactement. Dans les prochains. Exactement. Puis si vous vouliez pas, ben j'en ferai pas. Puis je suis désolé, on va parler. En ce moment, on est à la recherche d'un arbre pour Fudge. Donc, on a trouvé deux candidats potentiels au Mondou. Sauf qu'un d'entre eux est comme. Catherine le trouve trop gros. Moi, c'est même pas le fait qu'il est trop gros. C'est juste que la plateforme la plus haute, je la trouve un peu trop petite pour le gros cul de mon chat. Donc. Ouais, mais on a un petit candidat qui peut être pas pire, il serait comme un peu plus haut. Mais mon but, c'est vraiment qu'il monte d'étage à étage à étage en hauteur, puis qu'il soit comme le grand Fudge de la place. Ce serait vraiment ça mon but. Plus qu'il est haut et plus qu'il y a d'étapes, plus que ça ait fait d'exercice, puis plus que. Il est heureux. De toute façon, moi, je vais mettre des gâteries en haut, fait que c'est tout à son avantage de grimper ça. Bon, ben là, on est au Carrefour Laval, puis il y a mon amie Joannie qui est là. On n'a aucune idée où elle est, mais elle est au Carrefour Laval ici, fait qu'on attend qu'elle nous réponde, qu'on va la chercher. Mais moi, je voulais m'acheter des vêtements de printemps, ben d'été en fait, parce que j'en ai pas assez. Fait que c'est ça qu'on va faire de notre journée aujourd'hui. C'est pas vraiment une bonne journée pour ça parce qu'il pleut, puis il fait froid, fait que t'as comme pas le goût d'essayer des vêtements d'été, mais bon. Un homme et ses outils. J'ai dans un Rona, c'est comme moi dans un Sephora. Quoique ça fait vraiment longtemps que j'ai pas été au Sephora. J'ai brisé. Ah, fuck, je pensais qu'elle allait sortir pour ma joke. Hein? C'est bien bien fait, ça. T'as raté ta joke. Ouais. Bon, mais à date, ce sont mes maigres achats de la journée, puis on s'en va parce qu'on a faim. J'ai pratiquement rien acheté pour vrai. J'étais au Lush, au Garage, puis au Forever 21. Mais la dernière fois que j'avais été magasiner avec ma mère, j'avais trouvé plein de trucs. Puis tu sais, j'avais comme rien acheté parce que j'avais pas le temps, mais là, j'ai le temps, puis j'ai rien trouvé. Puis ça fait juste une semaine de ça, fait que je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais... Fait que j'ai quand même quelques petits trucs. C'est déjà ça, c'est pas si pire. Mais je vais sûrement revenir là. Je voulais vraiment m'acheter des vêtements de printemps parce qu'il va vraiment faire beau cette semaine. Puis comme, c'est ça, je voulais m'acheter des shorts, puis des robes, puis des jupes, puis plein de trucs comme ça. Mais visiblement, j'ai rien trouvé aujourd'hui. On a oublié de vous le dire, mais je pense que ça fait un moment qu'on n'a pas vlogué en fait aussi. Mais tantôt, on est allé à l'animalerie où on avait acheté Fudge en fait. Puis tout le monde était content de nous voir, puis on leur montrait des photos de Fudge, puis tout le monde était content, puis on leur a dit qu'il y avait un fanbase parce qu'il était rendu populaire sur YouTube. Mais en tout cas, on leur parlait un peu, puis on a appris que Fudge,
il se faisait donner de la nourriture de table là-bas. Comme il y a des gens qui donnaient du yogourt, il y en a qui donnaient des goldfish. En tout cas, ça me fait vraiment rire parce que je comprends maintenant pourquoi ce chat aime la nourriture de table puis pourquoi il traîne tout le temps alentour de nous quand on mange. En tout cas, je trouvais ça drôle. Mais moi, j'ai trouvé ça vraiment le fun parce que pendant comme 20 minutes, j'ai pu parler d'un des sujets que j'aimais le plus au monde, c'est-à-dire mon chat. Bon, alors on envahit le studio parce que Jay va m'aider pour mon Draw My Life. Il va m'aider à installer les caméras, puis mon tableau, puis tout ça. Parce que moi, ça a été un fail incroyable quand j'ai voulu le faire. Fait que Jay, à la rescousse. Hein, mon Jay? Toujours. Ouais, fait que c'est ce qu'on va faire. Puis là, je regardais ça aujourd'hui, là. Puis j'ai vu des trucs Corona, puis je vais vraiment m'installer mon coin dans le studio pour vraiment commencer à filmer ici, là, parce que c'est pour ça qu'on a cette pièce-là, en fait, c'est pour ça. Et c'est ça qu'on voit quand Jay sort son attirail de feu, son comme méga haut trépied, avec sa méga caméra pis ses méga spotlights. T'es un méga Jay. Hashtag gumbo. Méga awesome. En ce moment, Jay parle pas beaucoup, ok, parce qu'il a les lèvres gercées, pis il a du baume à lèvres, pis il déteste ça pour mourir, il se sent vraiment pas bien avec lui-même. Fait que c'est pour ça qu'il parle pas beaucoup, c'est pour ça qu'il a l'air fâché, mais il est pas fâché. Des fois, c'est les techniques les plus simples qui sont les meilleures. J'ai été en train de mettre du beau gros tape bleu sur le tableau pour s'assurer qu'il bouge pas pendant qu'on filme. Donc, pour vous montrer dans le fond qu'est-ce qui a été fait, il y a le trépied, right, qui est placé ici. La caméra est au-dessus, baissée le plus possible. Qu'est-ce qui se passe, c'est que la caméra, elle est dans un angle de 20 degrés, right? Il est possible d'acheter des trépieds qui, eux, incluent un câble ou un jib, dans le fond, avec un contrepoids en arrière et qui permettrait d'avoir la caméra parfaitement par en bas, mais ça coûte cher. Bon, une petite parenthèse, c'est ça qu'on voulait acheter hier au Gosselin, au magasin de photos, mais finalement, on l'a pas acheté parce que c'était comme 500-600$. Exactement. Bref. Fait que la solution, c'est, si un exemple, on a notre table, comme en ce moment, right? Et on a par-dessus ici notre cadre. Je le mets dans une grosse shape de main pour que vous soyez capable de bien le voir. Le problème avec ça ici, oh, j'avais pas bien séché. Le problème avec ça ici, c'est que la caméra est dans un angle de 20 degrés et notre tableau en ce moment n'est pas dans un angle de 20 degrés. Donc le truc est comme le tableau, comme la caméra, mettre le tableau dans l'angle. Là, j'ai exagéré, là, c'est plus 45 degrés que 20, mais c'est juste vraiment pour vous démontrer. Quand on met le tableau dans le même angle que la caméra, eh bien ça fake l'effet dans le fond que, eh bien la caméra est parfaitement par-dessus. Yay. Donc, en mettant un poids et tout, dans le fond, c'est une opération vraiment simple. Vous allez juste vraiment faire votre calcul. C'est un triangle rectangle. Vous avez la grosseur de votre... dans le fond, de votre... ben, dans le fond, c'est fucking Pythagore, là. C'est... Vous avez la longueur de votre tableau ici. Vous avez l'angle qui est important ici, dans le fond, l'angle de votre caméra. Et ensuite, vous avez la hauteur qu'il faut, dans le fond, pour mettre la bonne chose. Et bref, ça vous fait tout ce magnifique mécanisme-là pour pouvoir dessiner. Là, maintenant, on a vu le dessin là-dessus ici. Et j'ai profité de faire ce dessin-là pour voir ensuite comment on prend ça en post-production et le faire rendre plus beau. D'accord. Donc, ma belle gang de beau, pour vous montrer ensuite de quoi que ça a l'air. Là, il y a une coupe d'effets spéciaux. C'est pas optimal, c'est vraiment juste qu'à titre démonstratif. Mais si vous voyez dans le fond, tout blanc, tout beau, et on peut vraiment voir dans le fond. Bon, le premier pro bug, mais c'est premier pro. Ben, il bug pas, il fait un render dans le fond. Ouais. Mais dans le fond, on peut vraiment voir comme de quoi que ça a de l'air. Comment ça peut être clean et coquin. Par exemple, ça a pris une coupe de modifications dans les couleurs. Donc, si j'enlève juste un exemple, une des parties, c'est même pas deuxième partie, vous pouvez déjà voir la différence des reflets, mais avec les bons effets aux bonnes places, on est capable de voir le résultat. Donc, c'est vraiment, quand vous voulez filmer, là, si vous cherchez des solutions magiques, il n'y en a jamais, right? C'est vraiment une question de minimum d'équipement, placer la caméra comme du monde, faire des mathématiques comme vous avez vu, utiliser des solutions de base, donc, exemple, avec le tape bien fixé, avoir le bon angle, filmer de la bonne façon aussi, juste fixer les points où est-ce que c'est. Et après ça, en effet spéciaux, un exemple comme dans ce cas-là, aller enlever un exemple des solutions autour. Je me suis économisé un 600$ sur un rig qui est par en haut. Je me suis économisé un 400$
sur une light box pour que ça soit éclairé parfaitement. Comme vous avez vu en effet spéciaux, j'ai réussi à l'arranger. Et je me suis économisé ben du temps parce que ça m'a pris pas trop de temps à setup ça et à l'essayer. Contrairement à filmer toute ma vidéo et « Oh shit, j'ai oublié quelque chose ». Et après ça, ben, faut la recommencer. Je vous dirais merci à Jay, c'est grâce à lui qu'il va avoir un « Draw My Life » éventuellement quelque part dans la vie sur ma chaîne. Je déteste avoir les lèvres gercées. Ouais. Tu veux un bisou? Tu veux vraiment un bisou gercé de l'enfer? Mm-hmm. J'espère que ça le... Ah oh, ouais, je t'ai mis... Ah. Mais oui, j'avais dit l'épicé, le mot. Ah. Wesh. Sérieusement, c'est même plus drôle à quel point ce chat aime se faire donner de l'amour. Ça fait comme quoi, 10 minutes qu'il est comme ça, 15 minutes? On regardait une émission, puis Fudge, ben... Il fudge, là. Non, mon gros. Enchanté, Monsieur Fudge. Entrons dans la salle de conférence pour votre conférence sur le saumon. Votre conférence sur le saumon. Oh. Bon, fait qu'on va faire le mot de la fin. On va se mettre les trois comme ça. Je sais même pas si on voit Fudge. Je pense pas qu'on le voit. Non, hein. En tout cas. Fait que c'est ça, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. Puis, oh, ok, beau. Je vais essayer de faire le mot de la fin vite pour que je puisse retourner à mon business de Amy Fudge. Mais oh, qu'est-ce que tu fais? Tu le fais danser. Bref, j'espère que vous avez apprécié notre petite, votre petite journée en notre compagnie. On va se revoir mercredi. Ben en fait, non, on revlogue mercredi. Aujourd'hui, on est lundi. Puis on va revloguer mercredi. As-tu quelque chose à dire? Autre question. Je vous aime. Soyez beau tout ça avec quelqu'un. Bye! Tu dis-tu bye-bye, Fudge? Bye bye.